Le temps passe, plus les sourires s'effacent pour laisser la place à une espèce d'angoisse. Je me fonds dans la masse avant d'aller rejoindre Jonas à la terrasse du café de la grande place d'Arras. J'entends trop de dick d'Arras, ferme ta gueule pétasse, Artrousse t'es cool, ravale ténasse, habile t'as qu'un val du casse. J'entends trop de petits minots qui jacassent sur les culasses de ces jeunes filles qu'ils appellent bombasses. À ma droite, une fille super mignonne qui fait l'aumône en jouant du saxophone. Ça étouffe un peu le bruit des klaxons de tous ces téléphones qui sonnent. Des gens qui grognent, les sirènes de la police qui résonnent. C'est un bon dimanche d'été ensoleillé, autant en profiter pour se relaxer. Contrairement aux autres bouffons partis manifester contre le droit des gays. Pendant que d'autres sont installés toute la journée dans leur canapé à se gaver de télé-réalité. Sur ma route, je rencontre des clodos, des narcos, des mecs qui veulent me faire la peau pour une putain de clos. Peu à peu, le soleil se couche dans ma cambrousse. Les canettes de binous poussent au milieu des vacrettes et des picous. Les flics me troussent, me roussent et les jeunes me foutent le blues. À rêver de flouze et de partouze. Mais j'ai gardé espoir, j'ai laissé mes déboires me plonger dans le noir. Des fins de soirée au Gaspar, à prendre mon panard, emballer des minettes pour un coup d'un soir, pour ne pas me retrouver solo dans cette enquête de merde. Mais trop boulot, boulot dodo. Mange bien, mange bio, fume moins, débarrasse-toi de ta vieille auto. Et surtout, n'oublie pas de payer tes putains d'impôts. Regarde un peu Manu, ce que j'ai fait pour toi, pour 39 heures par semaine et 1000 euros par mois. Cette semaine, je suis allé poser des chrysanthèmes sur ma Super 5 TL. Elle était belle, belle, belle. Ça fait plus de 10 ans que je la traîne, qu'elle m'emmène de Gonem à Oisem, de Blagem à La Rochelle. A bientôt 10 euros le paquet, tu t'es cru, enfoiré. Tu pompes plus que Marie quand elle est éméchée. Attends encore un tout petit peu, mon petit garnement. Le changement n'est pas encore prévu pour maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir virer des gens facilement quand on n'en veut plus, sans leur donner trop d'oseille. Mais attention, on veut aussi embaucher des gens facilement, mais sans leur donner trop d'oseille non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on veut. Merci de la loi travail.